Alors je suis désolée d'avance si vous entendez les gosses gueuler. Vraiment, je fais tout pour que ça change. Croyez-moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits coréens, des produits soins tout particulier, parce que le make-up, j'ai pas encore essayé ni leurs vêtements, mais j'ai reçu pas mal de produits durant ces derniers mois avec YesStyle. Et vraiment, c'est une excellente marque. J'ai testé vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence au niveau de ma peau. Là, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai rien mis. J'ai juste mis à deux lenticelles, un petit peu d'highlighter ici. Mais sinon, je ne mets plus rien sur ma peau, je n'ai plus de fond de teint, je n'ai plus rien. Donc je trouve que ma peau s'est vachement améliorée, je trouve que durant ces 4-5 derniers mois, enfin, j'avais beaucoup de boutons, beaucoup d'acné, etc. Et là ça a vraiment diminué, ma peau est beaucoup plus jolie, beaucoup plus hydratée. Donc je vais vous montrer les produits qui sont en face de moi là, que j'ai testé et que j'ai approuvé, vraiment une grosse tuerie. En plus là on est en hiver, il y a beaucoup de démangeaisons, de gerçures, etc. à cause du froid. Donc je vais vous montrer les produits qui sont vachement bien pour hydrater la peau. Et aussi avant de commencer la vidéo, j'ai un code promo pour vous, je vous le mettrai juste là. N'hésitez pas à en profiter parce qu'il y a pas mal de produits dont je vais vous parler qui sont vraiment très très bien. Donc si vous pouvez avoir une petite remise, ça fait toujours plaisir. Et je crois que vous avez la livraison gratuite normalement Enfin, de toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors tout d'abord, je vais vous montrer cette... je vais essayer de pas secouer. Je vais vous montrer ce petit tonique. Alors c'est une lotion vraiment géniale puisque ça sent archi beaucoup la rose. Comme vous pouvez voir, il y a la rose au-dessus, ensuite il y a le produit. Et vous mélangez, après hop, vous mettez sur un petit coton, vous nettoyez votre peau en fait comme un tonique, comme une lotion normale. Ça sent super bon la rose, ça purifie et ça te laisse la peau toute douce. Moi je l'adore vraiment, ça fait... ouais... 3 semaines que j'utilise, pourtant ça ne se vide pas. Là ça arrive à là, donc en 3 semaines ça m'a fait que ça. Je trouve que ça va tenir dans le temps et c'est vraiment une très 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 bonne lotion. Dedans il y a de l'eau de rose et il y a de l'huile essentielle à la rose aussi. Donc ça c'est vachement bien, en plus c'est une bouteille en verre donc elle est vachement belle. J'adore le packaging, vraiment de la marque Aromatica. Très 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 bonne marque. Ensuite ces deux produits c'est de la même gamme, donc c'est en fonction de vos besoins aussi. Ce sont là des toniques encore une fois. Je trouve qu'en fait les toniques c'est hyper important pour hydrater la peau. J'en mettais pas beaucoup à l'époque et je trouve que depuis que j'en mets, bah ma peau elle est beaucoup plus hydratée. Je trouve que c'est mieux qu'une crème hydratante limite, tu vois. Donc là c'est deux toniques, donc c'est de la même marque. Je les ai testés mais j'ai vu que c'était pas... pour moi, c'est pas pour mes besoins à moi. C'est avec de l'acide hyaluronique. Donc là, t'as l'acide hyaluronique normal et ça t'en as un peu plus à l'intérieur. Donc c'est pour vraiment hydrater la peau. Donc voilà, si vous avez besoin de lotion à base d'acide hyaluronique pour vraiment hydrater la peau en profondeur, je vous conseille ces marques-là. Donc c'est la marque Eastree, je pense que c'est ça. Je sais pas comment ça se prononce, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça, c'est le basique et ça, c'est le plus. Pour les peaux un peu plus matures, je dirais au niveau de 45-50 ans, prenez ce genre de tonique et pour moins de 45 ans, genre entre 25 et 45, prenez celui-ci, il est très très bien. En tout cas ça sent pas, ça sent l'eau, enfin tu sais ça sent rien et c'est hyper agréable, c'est hyper rafraîchissant, donc ceux-là je vous les conseille vivement. Ah et le, comment ça s'appelle, et le tonique là, où il y a le moins d'acide hyaluronique, il a été, j'ai gardé l'emballage exprès pour ça, il a été numéro 1 en 2016, je sais pas de quoi c'est vu que c'est en coréen, mais je pense que tu sais, c'est un peu comme les victoires de la beauté, tu vois, un truc qui fonctionne bien, donc n'hésitez pas. Ensuite je voulais vous parler de cette crème là, donc cette crème là elle est, quand je vous dis géniale, c'est genre pépite. C'est une crème en fait à l'hibiscus et ça sent très 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 bon. Ça a la même senteur que quand tu vas au spa, je sais pas comment te dire, c'est doux, c'est frais. En fait la crème c'est comme un espèce de gel, c'est pas une crème, attention je vais vous la montrer. Donc c'est une crème comme ça en fait, oula un peu gel, j'ai failli faire tomber. Ça s'absorbe hyper facilement. Donc c'est vraiment une crème antioxydante très très hydratante. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sulfate, pas de parfum, pas de conneries où je suis allergique. Au moins, je savais directement que j'allais pas avoir de boutons et c'est pratique parce que quand je teste des crèmes et que je vois qu'après il y a du parfum ou des choses dont je suis allergique, bah je vois que j'ai plein de boutons, je dis ah oui, OK, d'accord. Donc là, ça c'est vraiment une très 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 bonne crème, n'hésitez pas si vous avez la peau un peu tiraillée, etc. Prenez ça. Mais tous les produits sont bien, c'est ouf. Genre tous les produits qu'ils m'envoient, même si ça convient pas trop à mon type de peau, genre avec l'acide hyaluronique, etc. C'est plus pour les peaux matures. Je trouve que leurs produits sont vraiment géniaux. C'est un truc de malade. Ils m'ont envoyé ça ce mois-ci. Donc ça c'est les masques de Secret Key. Que dire? Que dire à part super bien en fait. C'est un masque, en fait tu nettoies, tu mets un petit tonique, tu exfolies ta peau juste avant. Et ensuite tu mets ça. Et c'est vraiment
génial puisque c'est... Ça fait comme un sérum, si tu veux. C'est un masque basique, tu vois. Mais je trouve qu'il rend la peau beaucoup plus rebondie, beaucoup plus hydratée. C'était ouf. Vraiment, c'était ouf. Là, je sais que je vais en racheter parce que c'est vraiment très, très, très bon masque. Donc, je suis super contente. Et dedans, en fait, il m'a envoyé une boîte. Alors, moi, j'en ai utilisé 3. J'en ai 7. Ouais, donc il y en avait 10. Vraiment très très bien, c'est une boîte comme ça. Donc moi j'utilise une fois par semaine. Et j'ai vu vraiment les résultats sur ma peau. C'était vraiment très très bien. Je trouve que la boîte elle est vraiment trop mignonne. Vraiment trop 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 chou. Là quand on voit ça, on se dit ouais c'est un, c'est une lotion, un tonique ou je ne sais quoi. En fait, dedans c'est un masque. Et dedans donc ça contient de l'eau de rose de Provence. Donc pour continuer avec mes produits favoris, tout ce qui est avec masque etc. Ça ils m'ont envoyé une autre boîte avec ce genre de produit. Ça je l'avais déjà testé, j'avais fini. Ils m'ont réenvoyé ce colis là avec ces masques là. Et ils sont vraiment super bien, c'est la marque Suris. Donc c'est des masques, des sheet masks en fait. Tu le mets sur la peau et ça t'hydrate vraiment la peau. C'est vraiment hyper bien, t'en as je crois 5 à l'intérieur, vraiment très très bien, puis le packaging est vraiment super beau, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais une très bonne marque. De toute façon je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo avec YesStyle. Ensuite pour tout ce qui est en tonique ou ce genre de tonique, de toute façon vous le voyez bien, cette lotion là je l'ai vidée comme pas possible, c'est avec du bambou à l'intérieur, très bonne lotion. J'ai vu vraiment un résultat au bout de 2-3 jours, j'ai vu que ma peau respirait d'hydratation, était beaucoup plus nette, beaucoup plus rebondie. Ce produit-là est vraiment très très bien et ça vous dure quand même pas mal de temps, je trouve. Ensuite, celui-ci aussi vous dure pas mal de temps, c'est le Pipsheet que je mets sur mon visage pour encore plus hydrater ma peau. Donc je le mets après la lotion. Très très bien, c'est la marque Claire's. C'est pas Claire's comme nous on connaît les trucs d'accessoires, c'est Claire's avec un K. Il est cruelty-free, il est vegan, il est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Des fois je le vois sur Beauté Privée celui-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite pour tout ce qui est démaquillant. Alors moi j'utilise souvent l'huile démaquillante. Je ne l'ai pas prise avec moi parce qu'elle est dans la salle de bain. L'huile démaquillante en pompe. Mais j'utilise beaucoup plus cette huile démaquillante. Enfin ce baume démaquillant je dirais. De la marque Agatha. Il est très 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 bien. Je l'utilise sous la douche. Vraiment une grosse tuerie. C'est quand tu le mets sur la peau ça se fond. Comme de l'eau en fait, c'est pas comme de l'huile, ça fait comme de l'eau et c'est vraiment génial. Après c'est un peu difficile à enlever au niveau du mascara parce que quand je mets des mascaras waterproof c'est un peu compliqué d'enlever qu'avec ça, mais quand tu mets du mascara normal avec des fards, des machins, une tonne de fond de teint, ça part très 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 bien. Donc ça je vous le conseille aussi vivement. Ensuite pour moi le meilleur pour la fin, donc c'est je vais vous montrer le packaging, c'est ce petit gommage. Donc c'est l'un des tout premier produit que j'ai testé avec la marque YesStyle. C'est un peu mouillé vu que c'était sous la douche. Hop. Donc c'est un gommage. Il m'en reste un tout petit peu. Donc c'est un gommage hyper bien que tu appliques sous la douche. Et en fait quand tu l'appliques ça fait des petits grains. Donc ça exfolie vachement bien. C'est un peu comme du sucre si tu veux. C'est un peu miel, sucre. Cette texture est vraiment super bien. Après tu rinces et t'as la peau vraiment toute douce. Pas besoin de mettre de crème pour la nuit ou je ne sais quoi. T'as la peau vraiment très très douce. Donc ça je vous le conseille encore vivement, c'est un de mes favoris plus, je crois que c'est mon favori plus que j'aime. Après c'est la lotion, mais ça c'est vraiment une grosse tuerie, ça je sais que je vais le racheter parce qu'il est très 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 bien. Un énorme coup de cœur pour ce produit là. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour au niveau des produits que j'ai testés et que j'ai approuvés. Je vous conseille vraiment cette marque là, les produits coréens, quand tu vois toutes les meufs coréennes, leur peau et tout, comment elle est, enfin voilà... Y a pas photo, on se dit comment elles font, c'est quoi leur secret, surtout que là-bas c'est hyper pollué, donc je me dis comment ils font quoi. Et j'utilise des produits comme ça et je trouve que vraiment ça fait une différence sur ma peau. Elle est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus rebondie, beaucoup plus éclaircie, je sais pas comment dire, éclaircie, claire, plus unifiée aussi, parce que beaucoup de gens me disent ouais c'est quoi ton fond de teint etc, mais en fait j'en ai pas du tout, c'est ma peau, elle est comme ça et j'aime beaucoup 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 le rendu. Après voilà, quand j'ai les périodes de règles, j'ai des petits boutons, mais vraiment c'est léger quoi, on les voit pas trop. Au bout de 2-3 jours, bah avec les lotions etc, bah on voit plus rien en fait. Donc c'est vraiment une très bonne marque YesStyle et je pense que je vais continuer à utiliser leurs produits sur leur site et je vais un peu bannir toutes les autres marques que j'ai testées juste avant. Je vais finir les produits que j'avais entamés, mais je vais plus me diriger maintenant sur les produits coréens. Je trouve que c'est une excellente marque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels produits vous avez envie de tester. Est-ce que vous avez déjà testé YesStyle? Je sais qu'il y a une abonnée à moi qui est fan de YesStyle, elle voulait trop le calendrier de l'avant. Peut-être l'année prochaine tu l'auras. On espère, on croise les doigts.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.